La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignage. Sur Fréquence Évasion, c'est l'heure de la parapsychologie. Nous allons parler de NDE en la personne de Michael Atlante qui a vécu une NDE et qui va nous parler de son expérience et nous apporter toutes les précisions nécessaires afin de mieux comprendre cette expérience de mort imminente. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. Fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignage. Michael Atlante, comment s'est passée cette expérience de NDE et dans quelles circonstances ça s'est produit? Ça a commencé un petit peu toute mon histoire. Au début de l'année 95, j'avais des maux de tête assez violents qui étaient de plus en plus forts. Par la suite, j'ai fait un malaise vraiment très fort dans le métro. Je ne sais pas comment je suis arrivé chez moi. J'ai vu un médecin, il m'a dit qu'on a fait des prises de sang, j'avais rien du tout. Et là, il nous a un petit peu affolés en nous disant qu'il fallait faire un scanner cérébral. J'ai fait ce scanner, donc je suis parti tranquillement. C'était en mai 95. Je suis parti tranquillement avec mon frère, sans me douter de quoi que ce soit. Et là, en attendant les résultats de ce scanner, j'ai vu un petit peu toute l'assistance, le radiologue et toute son équipe un petit peu s'affoler. Et ça a duré une bonne demi-heure en les voyant tous s'affoler. J'étais encore dans la salle d'attente, qui était remplie de monde. Et le radiologue vient me voir avec l'air un petit peu palo, on va dire. Il m'a dit, monsieur Atlan, j'ai quelque chose à vous dire. Vous avez une tumeur au cerveau et il faut intervenir de toute urgence. Alors là, j'ai été sans voix. Je suis rentré avec mon frère, on ne s'est pas dit un mot. À cette époque-là, j'habitais chez mes parents. J'ai une sœur handicapée de naissance. Donc c'était aussi, je me voyais mal dire à ma mère comme quoi j'avais une tumeur au cerveau. Elle avait déjà pas mal souffert avec ma sœur. Et donc elle m'appelle avec un grand sourire, parce que vraiment on pensait que c'était des maux de tête et qu'il n'y avait rien de spécial. Mmh. Et elle me dit comment ça s'est passé. Je lui dis, maman, j'ai une tumeur au cerveau. Alors là, je me suis éclaté, j'ai éclaté en sanglots, parce que je pouvais plus contenir cette émotion. Et à partir de ce moment-là, il y a eu plein de coïncidences, de phénomènes de synchronicité. C'est-à-dire que à ce moment-là, ma tante chez elle avait le fils d'un chercheur en neurochirurgie. Donc son père habitait à Bordeaux. Et alors déjà, premier piston, parce que malheureusement dans la médecine, le piston ça marche beaucoup. À ce niveau-là, j'ai eu de la chance. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses, je ne sais pas d'où elles venaient, sûrement de quelque chose de plus fort et de plus intelligent que nous. Des coïncidences comme ça. Donc j'ai été hospitalisé à l'hôpital Raymond Garcin, enfin à l'hôpital Sainte-Anne, par les conseils de Monsieur Bioulac, ce professeur, ce chercheur. J'arrive à l'hôpital, tapis rouge, ah bon, vous venez, mais c'est votre père, c'est votre oncle, c'est quoi, c'est... Alors, et donc voilà, je suis né, je voulais préciser, je suis né le 16-7-77. Donc le 7 a bien marqué ma vie, et c'est vrai que j'ai... Alors, une fois arrivé à l'hôpital, j'avais toujours un numéro de chambre 7, ou 777, ou un numéro de téléphone avec 37 à la fin. Enfin, c'était vraiment très fort. Et pour me mettre en confiance, et j'ai oublié de vous signaler, c'est que juste avant d'être hospitalisé, j'ai fait un rêve un petit peu extraordinaire. C'est que j'ai vu ce que j'allais voir, mais dont je n'étais pas conscient pendant la NDE. Mais à un millième, on va dire, de la puissance de la NDE. Une sorte de rêve prémonitoire. Voilà, de rêve prémonitoire. J'avais jamais vu ça. Et je ne pouvais même pas concevoir que ça puisse venir de moi. Je l'ai raconté à mon père. Bon, il a pris ça comme un rêve. Jamais de ma vie, j'avais vu quelque chose avec des couleurs aussi fortes et avec des vibrations aussi grandes. Combien de temps avant l'opération? À peu près 15 jours. Mais ça va... Tu veux, le fait de vivre ce rêve, ça m'a mis dans un état particulier. Un état de sûreté, on va dire. J'étais vraiment,
Je sentais que j'étais sur une bonne voie, même si tout le monde s'affolait autour de moi. Vous étiez confiant. Voilà, même ça a surpris même les médecins, parce qu'ils se sont dit, ça y est, la tumeur, elle a commencé à lui prendre au cerveau. Ouais. Et parce qu'ils étaient surpris, j'étais souriant et dans une paix vraiment... Mais moi, aujourd'hui, je ne pourrais pas te l'expliquer. Je ne supportais même pas voir ma mère assise au coin de mon lit avec des yeux pleins de larmes parce que j'étais vraiment aux anges, on va dire. Donc, j'ai fait d'abord une biopsie. Pendant ce temps-là, j'avais donc le professeur de l'hôpital, c'était monsieur le professeur Chodkiewicz. Ma mère qui travaille à Rueil-Malmaison, un nouveau stagiaire qui arrive à son travail, qui avait à peu près 25 ans, donc jeune cadre dynamique. Et il s'appelait Chodkiewicz, donc une petite nuance à la fin, et puis ça l'a démangé de lui demander si elle avait pas un parent qui travaillait dans un à Sainte-Anne. Et elle lui dit, donc ma mère s'appelle Suzy, et il lui dit, mais Suzy, mon père est professeur à l'hôpital Sainte-Anne, donc c'est mon père qui va opérer ton fils. Donc elle travaille à Rueil ma maison, ça fait quand même beaucoup de distance. Donc encore une coïncidence, il me dit t'inquiète pas, j'en parlerai à mon père. Donc j'avais vraiment tout ce qu'il fallait pour réussir une bonne opération. Donc voilà, l'heure de l'opération, le jour de l'opération d'abord approche. Ça s'est passé le 31 mai 95. J'ai fait un malaise le matin, je sais que j'ai eu un coup de téléphone, j'ai passé un coup de téléphone avant de monter sur le brancard à 8h du matin à mon père. Là ça a été vraiment très émouvant. Il est resté, lui, à l'hôpital, et je vous le raconterai après. C'est qu'il a ressenti beaucoup de présence qu'il ne pouvait pas expliquer, car il n'a absolument pas développé de faculté médiumnique. Mais en tout cas, ça circulait. Il sentait, puisqu'il avait ce lien, ce lien parental, en tout cas sur moi. Et il m'a dit que ça remuait vraiment. Avant de me faire hospitaliser, j'ai dit à mon père... Enfin, c'est lui qui m'a proposé ça. Je m'attendais pas à ce qu'il me parle de ça, c'est qu'il m'a dit, voilà, à ton réveil, je sais pas si tu vas pouvoir m'entendre, mais je te poserai des questions et je te prendrai la main, et en me serrant la main une fois, ça voudra dire oui à la question que j'aurais posée, et en me serrant la main deux fois, ça voudra dire non. J'ai dit, oh, d'accord, mais je m'en suis absolument pas souvenu. Et après, il m'a dit justement que je lui répondais à ces questions, alors j'étais dans le coma. Et je me souviens absolument pas des questions qu'il m'a posées ni rien. Donc il y a dû y avoir une petite flamme qui est restée pendant cette opération. Donc voilà, j'arrive dans la salle d'opération. Alors, salle d'opération, c'est une opération relativement rare. C'était une tumeur au cerveau. C'était bénin. On m'avait fait donc une biopsie avant. Précisons qu'aucune médication avait été administrée. Non, rien. Cette tumeur se trouvait entre le nerf optique, l'hypophyse et la mémoire. Elle faisait la taille d'un noyau de pêche et dure comme de la pierre. Donc la biopsie nous a démontré qu'elle était dure. On ne savait pas trop si elle était liquide ou solide. Donc elle était bénigne. Donc le jour de l'opération arrive, une salle toute bleue avec une mezzanine avec des vitres partout pour que les étudiants puissent venir voir l'opération. C'était assez spectaculaire pour eux. Il y avait dans la salle à peu près une vingtaine de personnes qui étaient là. L'opération a duré 9 heures. C'était quand même quelque chose de costaud. On m'a carrément ouvert la boîte crânienne. Donc, comme tu peux le voir, Javine, nos auditeurs ne peuvent pas le voir malheureusement, j'ai une cicatrice qui part d'une oreille, qui remonte jusqu'au sommet du crâne et redescend de l'autre côté. C'était une opération assez grave, il fallait intervenir dans les plus brefs délais quand même. Oui, il fallait intervenir. Mais pas une seule fois, j'étais angoissé, rien du tout. Alors rentrons dans le vif du sujet, de l'expérience. Que s'est-il passé? Comment cette expérience a-t-elle commencé? Mon envol commence. J'ai tout de suite après l'aiguille, c'est vrai que c'est pas évident de se situer au niveau du temps. J'ai senti cette aspiration, donc mon moi, mon âme, un autre corps ou un corps de lumière si vous préférez, sortir de moi-même. Je n'ai à aucun moment, par contre, dans cette montée, regardé en arrière. Je suis sorti. Donc il y a eu donc cette partie de moi-même qui est sortie, bien qu'une petite partie soit restée, puisqu'elle répondait à mon père quand il me posait des questions. Et donc j'ai senti cette aspiration vers le haut. Et c'est vrai que, comment vous dire, là, c'est vrai, j'ai vu ce tunnel, c'était différent parce que
beaucoup de personnes ont vu ce tunnel lumineux. C'était pas un tunnel qui était préétabli, je dirais. C'est pas un tunnel avec des parois et puis on avance tranquillement dedans. C'était en fait la vitesse de mon corps qui frayait un tunnel. Donc par ma vitesse qui était vraiment très rapide, le tunnel se faisait automatiquement. Quelle était la sensation dans cet état hors du corps physique ? Je me remets un petit peu dans ces vibrations. J'avais un corps, mais je dirais un corps... C'est vrai, quand je marchais, par exemple, je ressentais mes jambes, bien que je ne les voyais pas. C'est particulier. Je pouvais toucher quelque chose, bien que ma main n'était pas là. Toucher, quelle était la sensation du toucher ? J'avais tous mes sens qui étaient en action. Mon odorat, l'ouïe, le toucher... le goût, tout ça était en action. Donc j'avais tous ces sentiments. Voilà, j'étais arrivé. Donc après ce tunnel, en tout cas cette aspiration, il y a un moment où je me suis arrêté de monter. Je suis arrivé sur un plan où il n'y avait rien. Donc ça peut paraître un peu angoissant, mais j'avais une foi, en tout cas depuis très jeune, envers Dieu, bon, je dis Dieu, mais on peut appeler ça le tout, enfin, ce que vous voulez. Et c'est vrai que j'avais une confiance, en tout cas, par rapport à cette opération et par rapport à ce qu'il allait m'arriver. C'est pour ça que j'étais dans cette sérénité tout le long de cette opération. C'était couleur un petit peu indigo, couleur univers. Voilà, j'étais dans l'univers avec des petites paillettes d'étoiles autour, mais j'avançais plus, il n'y avait plus rien. J'étais arrivé vraiment sur mon plan, on va dire. C'est vrai, toutes les NDE sont différentes parce que ces âmes arrivent à des plans différents. Il y avait une porte qui se situait à ma gauche. Alors là, ça peut paraître bizarre de voir une porte dans l'univers, mais il faut savoir que la pensée est créatrice. Donc il va y avoir une certaine vibration, mais vous allez l'interpréter comme quelque chose que vous connaissez. Il y a eu cette porte qui était aussi de couleur indigo. J'ai ouvert cette porte. Alors après la vision de cette porte, que s'est-il passé, Michael et Atlante ? Donc voilà, je suis arrivé dans une scène, dans une pièce, pas vraiment une pièce parce qu'il n'y a pas de plafond ni de mur. Voilà, sur une dimension où il y avait au loin, je donne des mots, hein, mais ce n'était pas exactement ça. Une scène de théâtre, on va dire, un petit peu surélevée par rapport à moi, qui faisait à peu près 100 mètres de large sur... De profondeur, je ne voyais pas. Et je m'avançais progressivement. J'avançais progressivement de cette estrade. Alors au début, je percevais qu'une lumière. Et petit à petit, elle devenait de plus en plus grande. Jusqu'à un moment où je me suis mis vraiment au bord de l'estrade. Parce que c'était tellement magnifique. Que si j'avais pu monter, je l'aurais fait. Mais je suis resté vraiment au bord. Et c'était d'une splendeur... qui n'était pas humaine, qui était d'ailleurs. C'était, on va dire, un concentré réduit au maximum de tout ce qu'il y a de plus beau et de plus pur sur la Terre et ailleurs. C'est-à-dire que c'était une chorégraphie, pour donner un mot, parfaite. C'est quelque chose que j'aurais pu regarder pendant des années et des années, bien qu'il n'y ait pas de temps... Enfin, c'est pas vraiment la même chose là-haut. Et j'étais sans arrêt sublimé. À chaque seconde, c'était encore plus beau. Contrairement à un spectacle qu'on voit sur la Terre, bon, même si c'est magnifique, au bout d'une heure, deux heures, trois heures, bon, une journée de spectacle, ça y est, vous avez fait le tour, vous en avez marre. Là, c'était plus beau à chaque seconde. Donc, il y avait ces chants, ces parfums, ces odeurs. Ces musiques. En fait, cette représentation était dans la lumière. J'étais à la fois spectateur et acteur. C'était une sensation particulière. C'est que je voyais le tout en étant ce parfum qui rebondissait sur une vague, qui était propulsé par une flamme, qui rayonnait comme un soleil, qui retombait comme une pluie, qui ressurgissait du sol comme un arbre et tournait autour de cette cérémonie comme une planète. Enfin... tous ces éléments d'amour, surtout d'amour, qui jaillissaient, voilà, qui jaillissaient de ce spectacle, excusez-moi, je suis un peu ému, de ce spectacle qui était fabuleux, qui m'a vraiment transformé. Il y avait donc tous ces éléments, et
J'ai essayé une fois de faire un tableau, comme je suis dessinateur. C'est pas évident, parce que la palette n'est pas assez grande. Et y a pas assez de dimensions, et pas assez de lumière, et il manque toujours quelque chose. Ce qui fait que je me suis restreint à faire une vague et un soleil au centre, parce que ma toile ne voulait plus rien dire. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignage. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un, des entités, comme le précisent certains expérienceurs ? Ça, j'ai rencontré les éléments. Ceux qui connaissent un petit peu le chamanisme, vous savez qu'on parle d'esprit du vent, l'esprit de la terre, enfin un petit peu tout ça. Bon, moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Hein. J'ai rencontré en tout cas tous les éléments. Pour moi, je dirais, j'ai rencontré... je dis que Dieu a posé peut-être un doigt sur mes yeux, et sûrement pas toute sa main, parce que alors là, je crois pas que je serais rentré. Là, ça... Mais oui, moi, j'ai rencontré le tout. J'ai rencontré le tout, bien que ce soit un petit bout du tout, que ce soit pas le tout dans son intégralité. Donc vous parliez tout à l'heure hors antenne de plans. Alors comment perceviez-vous ces plans ? J'avais ces visions et en même temps, je voyais l'ensemble et en même temps un élément. En même temps, je voyais la scène du dessus, d'en dessous. Je vivais complètement, je fusionnais avec tout ça. C'est-à-dire que s'il se passait quelque chose à un endroit, j'étais au courant, comme je savais ce qui se passait à un autre endroit. Donc tout était simultané, on l'aura compris, puisque de nombreux expérienceurs parlent un petit peu de la même chose, qu'ils étaient un peu partout à la fois. Alors comment s'est poursuivie cette expérience ? Bon, je suis resté 15 jours. 15 jours accroché sur ma branche. 15 jours dans ce spectacle qui était donc 15 jours de coma. Et il y avait deux... Alors là, je t'embête parce que je t'ai dit qu'il y avait... Bon, cette caméra, c'est une image. Hein, c'est pour te dire que j'étais à la fois spectateur et acteur. Et je vivais les choses en même temps. Mais je vivais en même temps une autre chose à côté qui était... je courais. Ça me fait penser un peu au film Forrest Gump. Le personnage court comme ça. C'était un peu ça. C'est que je courais. Alors, comme j'avais pas de corps physique, je ne me fatiguais pas. Je courais jour et nuit pendant 15 jours. Et je voyais des paysages que je ne connaissais pas, splendides, de l'au-delà, de la Terre, d'autres planètes, qui étaient chaque jour de plus en plus beaux. Je pouvais marcher seul sur le sable d'une plage, comme je pouvais avoir des entités qui étaient là autour de moi pour m'encourager, comme me retourner et voir que derrière moi, il y avait une personne qui courait, et puis deux, puis trois, et puis être porté par une foule. Et je courais toujours face au soleil, et il ne faisait jamais nuit. Et ce soleil, il se couchait, il se relevait aussitôt. Et j'étais comme ça porté, et parallèlement donc au spectacle. Et c'est vrai que j'ai écouté il y a 2 ans, j'ai entendu une émission de radio où il disait que les gens qui étaient hospitalisés, en se visualisant courir, ils permettaient à leurs muscles de rester au moins avec la même densité qu'ils avaient avant d'être hospitalisés. Ou peut-être d'en gagner un petit peu, ça je ne sais pas. Ça, je ne sais pas pourquoi c'était là, mais ça m'a permis en tout cas de me rétablir très rapidement et de respirer. De respirer, d'avancer, de garder cet état physique, parce que ça a duré quand même 15 jours. Donc pendant 15 jours que vous étiez dans le coma, vous étiez dans cet état un petit peu euphorique, dans cet état de béatitude, de beauté. Alors que s'est-il passé après ? Donc j'étais très bien. J'étais très bien, oui. Ça, je crois que vous le savez. À aucun moment, il y a eu un moment d'angoisse. Ce n'était que sérénité. C'était pas exactement pareil à chaque fois, puisque les paysages étaient complètement différents. C'est sûr, quand on se trouve au coucher de soleil, où il ne reste plus qu'un filet vert à l'horizon, et que vous êtes là tout seul à courir, vous entendez juste un petit peu la mer qui passe à côté, et vous êtes seul. Je n'avais pas peur, mais le silence me pénétrait plus à certains moments. Mes sentiments, c'est sûr, étaient différents, mais c'était jamais négatif. Alors comment s'est passé le retour à la Terre, au corps physique ? Alors je vous parlais de retour par flash.
Bon, c'est un terme que j'ai trouvé parce que je trouvais que ça ressemblait pas mal à ça. C'est-à-dire que je courais, où j'étais devant ce spectacle, je vivais les deux scènes. J'étais, on va dire, devant ce spectacle, cette chorégraphie. Et tout d'un coup, je me voyais allongé, de dessus. Par contre, là, je me voyais au retour. Je partais, je suis monté tout de suite. Donc, je me suis pas retourné comme certains et me dire, mais attends, puisque j'avais aucun stress, aucune panique, j'ai pas cherché. J'ai vu que je montais, j'ai dit, ok, je savais qu'il allait y avoir quelque chose de spécial. Par contre, pour le retour, ça, c'est sûr que je me voyais. Je voyais le lit de l'autre personne. C'est une personne qui était hindoue. C'était très marrant parce que elle avait un bandage sur la tête. C'était pratiquement le même bandage que les hindous mettent sur la tête. Alors ça m'avait marqué parce que je me suis dit, oh, ça, ils lui ont fait ses en mesure, ça lui va bien. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Je suis en plus pas tombé c'était vraiment une personne extra. Alors je suis rentré par flash, c'est-à-dire j'étais devant ce spectacle. Et je me voyais, on va dire, un dixième de seconde allongé sur mon lit. Et je repartais dans mon spectacle. 2 heures après, je me voyais 1 minute allongé sur mon lit. Hop, et je remontais. Après, je me voyais pendant un quart d'heure. Et je remontais. C'était progressif, dans ce sens-là. C'est pas que je suis revenu doucement. C'est que j'étais aux deux endroits jusqu'à un moment où j'étais plus dans l'un que dans l'autre. Et à un moment où j'étais complètement dans l'un. Certains expérienceurs ont dit qu'ils ont réintégré leur corps par la tête, progressivement. Est-ce que c'était le cas pour vous ? Non, je l'ai réintégré progressivement. Une seconde peau, on va dire. Je ne sais pas par quel orifice je suis rentré en premier. Dans cette expérience, certains expérienceurs disent, quand ils sont de l'autre côté, qu'ils ont une connaissance universelle, une connaissance totale. Est-ce que c'était le cas pour vous ? Oui, c'est un peu ça. En fait, la NDE n'est pas un cadeau qu'on nous donne et pour acquérir des facultés médiumniques et pour avoir tout un tas de cadeaux et de... C'est que par la NDE, par l'amour qui m'a été donné, parce que là, je vous donne des images, des clichés, mais alors, je vous expliquais qu'il y avait de l'amour, mais que c'est vibratoirement, ça dégageait avec quelle unité je peux définir cette vibration, mais une force extraordinaire. Donc cet amour que j'ai reçu m'a permis de regrouper toutes mes connaissances de mes vies antérieures. C'est-à-dire qu'après l'opération, je suis dessinateur. Je suis rentré dans une chorale, j'ai chanté avec des chanteurs très connus de variété. J'ai voulu faire de la guitare en 6 mois, j'ai fait le travail de 4 ans. J'ai voulu, parce que ce sont des choses que j'ai travaillées avant et qui sont venues très rapidement après. Je lis pratiquement pas de livres. Mais il y a une... je sais pas d'où ça vient. C'est que toute ma connaissance est venue après comme ça, en parlant. Vous voyez, là, je vais vous dire des trucs aujourd'hui que je n'ai jamais dit. Mais ça vient comme ça. Et je n'ai pas lu dans un bouquin ou quoi que ce soit. Alors, vous avez reçu aussi un message en provenance du monde animal. Avant de conclure et de terminer cette émission, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a été délivré ? Alors, comment vous indiquer ça sans trop vous faire peur ? C'est que les animaux en avaient plutôt marre, qu'on les sacrifie pour nos... propre plaisir, alors que eux aussi sont dans la démarche d'évolution. Ils évoluent vers le fait d'être eux-mêmes être humains. Bien que l'être humain ne puisse pas redevenir animal. Ça fait partie de la chaîne. Et avant d'être dans un règne végétal et minéral. Bien que, attends, quand on est dans le règne végétal, on n'est pas une plante et attendre comme ça, c'est différent. Ça fait partie. Nous vivons à travers toutes les plantes. Et c'est très basique, hein, comme on n'a pas de libre arbitre, on se pose pas trop de questions, si on pousse, bon, c'est un apprentissage au début, on n'a pas de décision à prendre. Il y a un sens, on va dire, à tout ça, qui est la loi de l'évolution. Eh bien, merci Michael de nous avoir fait partager cette expérience très très riche. Nous espérons vous retrouver une autre fois sur l'antenne de Fréquence Évasion. À très bientôt. Fréquence Évasion.